Salut les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on continue un peu dans l'impression 3D. Promis, c'est la dernière. Après, j'arrête pendant un petit moment. On va s'occuper aujourd'hui d'un problème que j'avais depuis longtemps. À savoir le raccord d'aspiration de ma Rabodego. Alors en soi, ça marche très bien, il n'y a pas de problème de ce côté-là, mais côté esthétique et sérieux, on a fait un peu mieux quand même. L'idée va donc être de créer un élément réducteur pour pouvoir accueillir mon tuyau d'aspirateur, faire quelque chose de plutôt compact, pas trop long et qui fasse très bien l'affaire. Donc on va voir ce qu'on peut faire. On va à l'impression 3D, c'est parti. Hop, 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 attends, tu croyais quand même pas que j'allais oublier ? Musique. Bon voilà, du coup, on se retrouve avec notre petit cône qui va venir s'adapter ici pour accueillir le tuyau d'aspirateur. Donc bah, il n'y a pas photo, ça fait quand même bien plus propre comme ça, c'est nickel, ça marche super bien. Comme d'habitude, je vous mets le fichier STL dans la description de la vidéo, n'hésitez pas à aller y jeter un œil, c'est gratuit, vous pouvez l'utiliser. Après, en fouillant un peu, vous pouvez tout à fait le faire avec des raccords PVC, il ne doit pas y avoir de soucis de ce côté-là, je pense que ça doit s'adapter. Voilà, c'était une petite vidéo courte du mardi, j'espère que ça vous sera toutefois utile. Comme d'habitude, pensez au petit pouce bleu si cette vidéo vous a plu. Et en attendant la suite, bien sûr, prenez soin de vous, soyez forts, ciao !